Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur un épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc chers amis, je suis encore allé trop vite pour le dire, hein. Faudrait que je pense à articuler de temps en temps, ça serait pas mal. Bon, alors nous sommes toujours donc, dans notre petite quête personnelle entre guillemets, d'avoir une relation de type allié, enfin de qualité ou de niveau allié avec Aliot ou Agnot System, enfin Agnot indépendante, pardon. Donc on va voir au niveau du tableau d'affichage si on aura cette chance. Donc voilà, nous sommes actuellement amicaux avec Aliot Independence et nous il nous faudrait le rang au-dessus. On recherche des coursiers. Bah écoute, pourquoi pas. 26 années-lumière, ça fait loin. Donc, j'ai besoin de vous pour transporter des restes humains jusqu'à notre filiale de la station Rangarajan Enterprise. Sachant que vous devrez arriver à temps pour la merveilleuse cérémonie que nous avons prévue là-bas, voici le manifeste du chargement, une urne en céramique ornée de motifs floraux, renfermant 5,6 kg de restes humains, un fresh pack à température contrôlée contenant un organe. Je vous fais confiance pour traiter cette cargaison avec le plus grand respect. Rang d'explorateur minimum requis touriste, effet sur la réputation moyen, effet sur l'influence faible. Bon bah écoutez, moyen, on va quand même le prendre. Et on va aller la faire cette quête. On va aller la faire. Alors, où sommes-nous censés aller? Dans le système BD72545. Eh bien écoute, nous y allons. Donc on aura au moins un saut à faire. Enfin deux sauts à faire. Ok, bon écoute, on y va. Décoller. Donc je vous rappelle qu'on est avec le Python, qu'on fait cette quête pour débloquer en fait un système, le système Agnot ou Aliot, je me rappelle jamais. Hein. Aliot, pardon. Qui est un système normalement high-tech avec une très très bonne station bien fournie. Donc de ce côté là on n'a plus qu'à croiser les doigts chers amis. Et une fois qu'on aura fait ça on changera de vaisseau. Donc là on est avec un Python donc on va, que je vais peut-être réorienter combat. What? Alors on va avoir un pépin chers amis. Mon manche à balai est mal calibré pour une raison que je ne comprends pas. Allez, on pousse. Voilà. Donc ça tourne. Moi je vais me lever. Hop, je me lève. Et je ne bouscule rien. Je ne fais pas le con. Ça devrait être bon. Ça reprend. Ça pue du cul. Hop, je vais le tripoter un peu. Est-ce que c'est mieux? Oula, ça pue. Je vais me retrouver baisé, je vais jouer à la souris. Je reviens. Re, c'est bon, chers amis, bon. Ce problème-là, déjà, n'est plus un problème en soi. Crac. Ok, j'ai eu un drôle de bruit dans mon oreillette droite, c'est très bizarre. On y va, on saute. Et on progresse. Alors, c'est le bordel. Il y a un certain nombre d'objets en fait que je ne sais pas ce que c'est. D'accord, ok, c'est rien du tout. C'est génial. Accélérer, on y va. Bon. Hop. 2, 1, engage. Oh. Bon, de ce côté-là, ça marche toujours. Ok. Alors. Ça va là. C'est le bordel. Ah. Le cockpit, c'est le bordel. Bon. Toujours personne à côté de nous, hein. Mais ça ne saurait tarder. C'est une idée, effectivement. Hop, détecteur. Hop, deux objets astronomie découverts, pourquoi pas. Et donc oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on prendra un vaisseau. Le vaisseau en question sera un ASP Explorer. Que nous fitterons pour l'exploration, donc avec une grande capacité de saut. Mais aussi donc pour tout ce qui est cargaison. C'est un des vaisseaux, je crois que c'est le vaisseau qui a la meilleure capacité de saut une fois fitté correctement. Hein. Le fitting plus le vaisseau devrait nous coûter environ 6 millions de crédits.
Donc on verra à peu près si je peux trouver un fitting particulier, hein, on verra le moment venu entre guillemets. En tout cas. Ah, on a encore un saut à faire? D'accord. Écoute, pourquoi pas. Ok, nous laissons l'ennemi découvert, pourquoi pas. C'est parti. Oula, te remets pas à tourner tout seul. Te remets pas à tourner tout seul, j'ai dit, voilà, merci. Hop. Four, three, two, one, engage. C'est marrant, je m'attendais à être attaqué en fait pendant ce. Pendant ce transport de justement d'objets fragiles. Mais apparemment non, donc écoutez, c'est une bonne chose. Je vous rappelle qu'on a un gros canon à tester. Hein. On a un gros canon à tester. Je crois que c'est 2000 crédits le tir, hein, de toute façon. Donc à ce tarif-là, on n'a plutôt pas intérêt à se louper. Alors, Rangar Adjant Enterprise. Je l'ai. 1000 SL. Putain! Ouais, mais on remarque qu'il y a des gens sur la carte. Regardez derrière nous. Bizarrement. Donc je veux y croire. Je veux croire qu'on se fera attaquer. Hop. Franchement, je ne demande que ça. Petite agression comme ça, une fois de temps en temps. C'est toujours un véritable plaisir de pouvoir poutrer quelqu'un. Puis ça nous suit, j'ai l'impression. Hein. Regardons vite fait. Est-ce qu'ils nous suivent? Il y en a au moins un qui semble le faire. Non, il... Hop, bon. On verra bien, il nous reste encore 600 SL à parcourir. Peut-être qu'on peut encore se faire agresser. Apparemment non, hein. C'est bien dommage, c'est bien dommage. En tout cas, j'ai hâte d'avoir cet ASP Explorer. Hein. Je commence à avoir une bonne quantité de vaisseaux, une bonne flotte, hein, littéralement. Hein. Donc bon. C'est toujours sympathique. Alors. Ce qui me fait penser. Là, j'avais dit 24 millions, j'avais dit 6 millions, mais non, ce sera plutôt 24 millions. Donc il faudra vraiment qu'on aille le rentabiliser sur le coup. Hein. Ouais, il faudra qu'on aille le rentabiliser cet ASP Explorer. Donc je pense que je ferai peut-être un petit live un de ces soirs, en semaine, sûrement. Je vais essayer de garder les lives du week-end pour un petit peu de Robocraft, parce que vous m'en réclamez en live, donc du coup j'en ferai en live. Mais il faudra que je réorganise mes semaines de façon de tournage. Donc bon. Les journées de tournage, littéralement. Alors. On approche. Et on ne va pas très vite. Hein. On va pas vite du tout. Alors. Excusez-moi. Je m'en sors, hein. Petit à petit je m'en sors, j'ai l'impression. Alors, c'est bon. Ça tombe bien parce que juste à côté de moi j'ai le fitting du comment du. Un fitting de. De comment ça s'appelle de. Hop. Hop, voilà, on va laisser se garer. Hop. Ça c'est cool quand même comme appareil, enfin comme système je trouve. Mais après ça devrait être, de mon point de vue, ça devrait être intégré à chaque vaisseau et activable ou désactivable via la console de droite. Mais bon. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Scan detected. Ah.
voilà. J'aimerais revenir sur quelque chose. Docking successful. Engines disengaged. Question est, vais-je les retrouver? Non. Hop, non, apparemment je ne vais pas les retrouver. Donc service de spatioport. Hop. Faire le plein. Hop. En douceur. En douceur. Voilà. Et donc, est-ce qu'on passe allié? Non, on est toujours amicaux avec... Est-ce qu'on a quelque chose qui nous emmène? Karaseni, Karaseni. Non. Non. Ici, Potagos, Vajuk. Génial. On va essayer de se rendre à 78 sur Sae Majoris, hein. On va y retourner. Et on va reprendre une autre quête, simplement. Hein. Exact, je ne peux pas y aller de là parce que elle est à plus de 26 années-lumière, si je ne me trompe pas. Alors, 78, Ursa et Majoris. La voici. Juste à côté du système Aliot qu'on peut voir juste à côté. Hein. Hop, alors, on y va, on y retourne. Décoller. Hop. On va essayer de se remettre en position comme il faut. Voilà. Parfait. Ok, on est bon. On allume les phares et on se barre. Pleine puissance, monsieur Zulu. Hop, on devrait être bon dans 3, 2, 1. C'est pas loin, j'étais pas loin. Bon, c'est parti. Alors, un autre petit saut. Bon, pendant ce temps-là, chers amis, je suis en train de regarder justement si... Enfin, pas si. Je me rappelle plus en fait la zone où je faisais mes farms de millions de crédits, là. Et avec l'ASP Explorer, ça sera beaucoup plus rentable. Du fait de sa capacité de saut, donc améliorée, hein, tout simplement. Alors. Robigo Mines, mais dans le système Robigo, j'imagine, tout simplement. C'est ça. Donc, je referai des lives là-dessus. Hein. Et bien sûr, cette fois-ci, je vous inviterai, hein, pour ceux qui sont en jeu, je vous inviterai dans un groupe, chose comme ça, on fera ça ensemble. Il faudra que je vois qui sera en ligne. Et donc, on pourra faire quelques trajets à Robigo Mines ensemble, en espérant ne pas trop se faire attaquer. Sauf si quelqu'un veut être là en mode garde du corps. Hein. Si quelqu'un veut... je sais pas, si quelqu'un a un énorme vaisseau, genre un... une... comment... une fédérale corvette là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Je serais ravi de l'accueillir. Hein. Bonjour, bonjour mon grand seigneur. Hein. Un des vaisseaux les plus grands, ou le vaisseau le plus grand du jeu, hein, je précise. De toute façon, ça nous coûtera énormément d'argent pour en avoir un comme ça. Peut-être qu'on passera par l'Anaconda avant quand même. On verra la quantité de fric qu'on se fera via... Il y a une ou deux heures de live de Robigo, hein, on verra bien. Et là, ça devrait être plus rapide à faire, Robigo, avec un ASP Explorer. Ce qui va donc nous augmenter aussi donc le... mince, on ne voit pas le rang de commerçant. On est quand même un entrepreneur, hein, ce qui n'est pas rien.
Malheureusement, c'est le rang au-dessus qui est le plus intéressant. Plutôt que d'aller à Sedon Gateway, on va aller à Rominger Dock. Rominger Dock, je sais pas. Ça va nous changer un petit peu, puis on aura plus de quêtes en fait, potentiellement, enfin des quêtes différentes, en tout cas différentes de celles qu'on avait à Sedon Gateway. Donc ça, c'est tout bénef. Alors. Alors. On approche. Alors, est-ce qu'elle va se trouver derrière ou devant? Devant apparemment. On approche rapide. Oh, le gros impact. Alors. Nous y sommes presque. Et ça s'ouvre, comme dirait Claptrap. Bon, oula. Je me rappelle une fois être en train d'atteindre ces anneaux. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Où est-ce qu'on est vis-à-vis de ces anneaux, justement? Ok, c'est bon. J'ai pu avoir peur des anneaux. Hop, c'est bon, on va le laisser gérer tout seul comme une grande. Parfait. Hop. Scan detected. On se fait scanner en plus, complètement impunément. Ok. Je suis en train de voir comment, si on pouvait trouver un fitting particulier pour Robigo tellement. On pourrait peut-être faire ça. Parce qu'il ne restera que 3 millions et... On aura quelques assurances hein, derrière, mais bon, ce sera pas énorme. Oula, mes mails s'actualisent du coup. Si vous avez des conseils vis-à-vis de ça, chers amis, n'hésitez pas à me les donner. Hein. Je serai encore une fois ravi de les partager, en tout cas. Et si possible, de les expliquer, entre guillemets. Hein. Alors, on n'a rien du tout pour nos amis. Je vais juste, au passage, aller voir nos contacts. Ok, c'est les primes de l'Alliance. Ok, on n'a rien d'autre. Pas grave. On va aller donc sur notre station, hein, littéralement. On va aller regarder s'il n'y a pas autre chose ailleurs. Elle est loin. Elle est très très loin. Ouais, elle est trop loin, même, je dirais. On va plutôt aller sur Teller Terminal. Voir s'il y a quelques quêtes. Et s'il n'y en a pas, bah écoutez, on se rentrera sur Sedon Gateway. Et on verra ce qu'on fera donc dans la prochaine vidéo. C'est vraiment dommage qu'on ait autant de difficultés à devenir allié avec Aliot. Mais c'était pas un véritable problème. Les meilleures choses se méritent, chers amis, vous le savez bien. C'est marrant, habituellement les IA... Putain, mais il a popé en plus. Hein.
Les IA passent au bon endroit normalement. Mais pas lui, apparemment ça le faisait plus chier qu'autre chose de toute façon apparemment. Hop, Taylor Terminal, c'est parti, c'est là qu'on va. Hop. C'est bon. C'est parti. Bon, on verra bien hein, après tout, avec un peu de bol. Avec un peu de bol, on devrait être bon. C'est parti. Alors, on va quand même baisser un petit peu l'accélération histoire d'être dans la zone bleue. Alors. En douceur. Je devrais peut-être... Je vais réfléchir à quelque chose, chers amis, comme type de vidéo, entre guillemets. Et pour ça, il faudra qu'on ait un petit peu de crédit. Surtout à trois vidéos, en fait, en particulier, vraiment, je pense. Hein, qu'il y aura quelques vidéos en particulier, on verra sur le coup si c'est bon ou pas. Et on verra ensuite ce que ça donnera. Ça pourrait être sympa, effectivement. Alors. Ouais, c'est comme ça que je vais faire. Je pense que je vais me dépatouiller comme ça. Je vais refaire quelques vidéos sur l'arrivée dans le jeu. On verra bien au moment venu. Et on verra ce que ça donnera. On verra bien. Ouais, on verra sur le coup. Bon. Bon. Alors. Ça faisait vache, ça me semblait pas aussi loin, bizarrement. Mais bon, écoutez, on va le faire avec, hein. Alors, nous sommes en approche finalement. Hop. En tout cas, j'espère qu'on va trouver une quête. Sinon, on l'aura dans le baba. Ouais. Ah, on est en approche. C'est parfait. Ouais, je pense que je vais faire quelques petites vidéos sur le début du jeu, puis on verra bien. Ça m'intéresse, chers amis. Alors, Taylor Terminal. J'ai l'espoir qu'on nous trouvera quand même une bonne quantité de missions. Oh, tu vas pas me faire croire que je vais trop vite. Oh, ça va se jouer à rien. Hop. Voilà. Ok. On est bon. C'est parti. Donc, il faut qu'on trouve quelques missions là-dessus. Qui nous permettront d'améliorer notre réputation auprès d'Aliot Independence. Ce serait génial. Croisez les doigts, chers amis, serrez les fesses. Lâchez le manche, et je ne parlais pas forcément du joystick, ou plutôt justement si je parlais du joystick. Landing gear deployed. Mes chères viewers, je suis désolé si vous regardez cette vidéo. C'est d'une violence.
Non, je vais couper les phares parce que ça m'envoie ma lumière à la tronche. Ah, je peux même pas couper mes phares. Excuse-toi. Bon, ça y est, on atterrit. Et c'est... Je l'ai trouvé violent l'atterrissage. Enfin bon, c'est rien. Service de spatioport. Faire le plein, c'est pas grave. Hein. 10 crédits, tu parles. Je suis plus à ça après. Hein. Je suis multimillionnaire maintenant, de toute façon. Alors. Ça commence très très mal. Ok, on a rien. Génial. Génial. Ah, j'aimerais bien pourtant la faire celle-là. Relation requise, allié. Bah oui, mais j'ai dans le fion. On s'occupe de la concurrence. Ouais, gros niveau de combat requis. Oh, je rends commerçant élite. Oh là là. Mania. Ouais, on a vraiment pas de bol. On a vraiment pas de bol. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Du coup on va espérer que la prochaine fois on trouvera plus de choses. On va rentrer dans le hangar. Certains d'entre vous m'auraient dit de regarder directement dans les parties multi ou dans, enfin, dans les autres modes de jeu. Oui et non. Bah écoute, on a fait une mission déjà de base. Hein. Bon, malheureusement j'aurais préféré en faire plus. Tout comme j'aurais préféré jouer un peu plus longtemps au jeu, je l'avoue. Mais bon, malheureusement c'est aussi comme ça que le jeu se passe. Bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais sans doute parler à certains d'entre vous qui m'avaient le plus aidé donc dans mes lives. Si vous souhaitez voir des lives aussi sur Elite Dangerous comme sur Robocraft, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi je ferai ça normalement soit sur YouTube, soit sur Twitch. Potentiellement plus sur Twitch pour une bonne raison, c'est-à-dire que comme là en fait le farm en question risquera d'arriver à un moment où j'aurai la SP, il me le faudra rapidement. Les sous, il me les faudra rapidement. Du coup, les sous pour flouer entre guillemets la caisse après l'achat de la SP et de son fitting. Donc il faudra vraiment que je m'en occupe très très vite. Donc voilà, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.